Bonjour tout le monde et bienvenue sur le Gamingosaurus. Alors, nous allons commencer une série de let's play sur Elder Scrolls 5, Skyrim. La Remastered Edition, donc spéciale édition avec les DLC machin truc et tout bidule. Et modé. Donc là, vous pouvez voir qu'on n'a pas le même start que d'habitude. C'est tout à fait normal. C'est grâce au mode Alternate Start, donc qui va nous permettre de vivre une autre aventure que l'aventure de base. Donc commencer différemment une quête principale. Donc on va commencer par créer un personnage. Mais avant ça, je vais me présenter. Donc je m'appelle Xignans. Je suis un collègue de Dino et de Vatezanis depuis déjà un moment. Et ils m'ont invité à faire ce let's play pour vous partager ma façon de jouer à la saga Elder Scrolls, et notamment à Skyrim. On verra peut-être plus tard pour en faire d'autres. Et donc vous montrer des phases de gameplay et modder, etc. Donc voilà, c'est un plaisir de faire ça pour vous. Donc on va commencer par la présentation des différentes races. Nous avons les Nordiques, les Orques, les Rouge-Gardes, qui seront utilisés pour tout ce qui est combat au corps à corps notamment. C'est leur principal trait de caractère. Ensuite, moi je vais m'orienter plutôt sur du gameplay furtivité, archerie, dégâts critiques, vol, etc. Je vais sans doute jouer soit un Khajiit, un elfe des bois ou un Argonien, donc qui sont les trois races les mieux placées pour faire du jeu furtif. Ensuite, si on veut jouer magie, il y a le Breton, l'elfe noir, le haut elfe. Après tout ce qui est impérial, ça, on sait pas trop où les classer. C'est un peu random, ils savent faire un peu tout, mais en même temps ils servent à rien. Vu que je vais m'orienter un peu plus vers l'archerie, je pense que je vais utiliser l'elfe des bouées. Parce que c'est ce qui a de mieux en fait, et j'aime beaucoup. Donc alors c'est parti, on va créer un elfe des bois. Hop, ensuite, on va choisir un corps, un sexe. Alors, il sera donc masculin, prédéterminé. On va prendre ça. Le poids, on va lui mettre des gros muscles. Alors, peinture de guerre, on va juste changer la couleur. Elle n'est pas trop mal celle-là, donc on va la garder. Les type de nez, les yeux, on va changer les yeux. On va juste changer les yeux. On va lui mettre des yeux. Ouais, pas beaucoup de choix sur les yeux. Mettre des yeux rouges. Ouais, c'est un elfe des bois albinos. Et alors? Type de sourcils, on s'en fout. Les cheveux, on s'en fout. On va juste lui mettre un petit peu de beurre. Voilà, c'est pas mal. Non, on va pas le faire blond, les cheveux noirs, avec les oreilles en pointe, c'est bon. Hop. Alors, Xin, accepté. Donc là, le mode Alternate Start nous fait commencer dans cette cellule qui va nous permettre en fait d'utiliser la statue de Mara qui se trouve ici et de choisir le background du personnage qu'on veut utiliser. Donc moi il va falloir que je trouve quelque chose qui se rapporte à la forêt, la chasse, etc. Donc il y a plusieurs choix possibles. Donc voilà, on va avoir plusieurs choix possibles. Même le choix Vanilla si on a envie, mais bon. Pas trop intéressant. Voilà, on peut faire. On a été attaqué et laissé pour mort. On a été un nécromancien dans un coin. On est un vampire. On est un vigile de Stendhal.
On est un bandit recherché dans la nature. On peut être un soldat dans une armée. On peut être un patron dans un village local. Un nouveau membre de guilde. On peut directement avoir une propriété. Voilà, donc c'est assez vaste. Moi, ce que je vais choisir, c'est le camping in the wood. Donc, pour se rapprocher de tout le background de chasseurs, furtifs, etc. Donc voilà. The woods can be so peaceful this time of year. Good hunting. Voilà, la statue de Mara m'a dit de m'a demandé, enfin, m'a dit de m'a souhaité bonne chasse. On va commencer directement en activant ce lit. Et puis bah c'est parti quoi. Début de l'aventure. Alors je vais vous expliquer un truc, c'est que vu que le jeu est modé, il va y avoir quelques problèmes au niveau des langues en particulier. On va des fois avoir des personnages qui vont parler en français doublé en anglais. Et sinon, on peut avoir aussi des personnages qui vont parler en français, doublé en anglais. Enfin, ça va être bizarre. Mais faut pas faire attention, hein. C'est comme ça. Et c'est pas autrement. Donc là, j'ai pop, il y a déjà Vous connaissez de vrais des emplois de soldats de vol aussi. sombrage, C'est l'heure apparemment. de se rendre à Vendôme. Ceux qui sont braves Donc sont voilà, on a meilleurs. pop. Chut. On a pop dans notre camping, là, notre petit camping avec notre tente, notre petit pot à bouffe, etc. Notre petit sac avec des trucs dedans. On a pop avec un stuff de base en fait, en rapport avec le background, donc l'arc de chasse et les flèches d'acier. On a deux, trois trucs, on a eu toute une armure en fourrure. On a des potions, on a une avec deux améthystes, on a un peu de bouffe. Voilà, voilà, on va pop. Et puis on a une nouvelle quête principale, qui n'est pas la quête de base, où ouais, faut chercher Alduin, machin truc bidule, on va leur défoncer la tronche. Donc là, ils nous demandent de nous dire que. Enfin, ils nous disent qu'on s'est réveillé un matin avec un son de bataille, etc. Parce que Helgen est juste à côté de notre campement et qu'il va falloir visiter Helgen, en fait. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, l'apparition de ces soldats, là, Ils sont c'est venus pour juste vous parce mettre que à mal. j'ai un mode qui s'appelle Immersive Patrol, en fait. Et qui permet de rajouter un peu de vie dans les lieux sauvages en extérieur, donc il y aura des PNJ comme ça aléatoires qui vont se promener sur les routes et tout ça. C'est aussi un mode qui va rentrer en compte avec Warzone, qui est un mode qui va permettre en fait de faire pop des batailles aléatoires de temps en temps entre des bandits, des vampires, des machins trucs et tout. Donc voilà, ça augmente un peu la difficulté du jeu, c'est sympa, c'est un peu plus vivant quoi. Donc là, on se dirige vers Helgen. Allez, sorti. Ouverture de la porte. Donc on peut voir que c'est bien le bordel. C'est le Bronx, c'est cassé. Un petit rat. Alors, lire le journal. Donc voilà, le journal est entièrement en anglais. Donc si vous voulez, je vous passe les pages. Comme ça, au moins, les plus anglophones de vous pourront évidemment profiter du contenu qui a été rajouté dans ce mode. Parce que je vais pas essayer de tout vous expliquer parce que je ne speak pas anglais, je vais arriver, you know, quoi. Donc, de peur de faire des erreurs, je vais vous laisser vous débrouiller. Et puis voilà.
Donc là, en gros, ils nous ont dit d'aller voir en fait dans la grotte. Donc on va aller voir dans la grotte d'Alien. Et on va voir un peu ce qui s'y passe. Afin de découvrir qu'est-ce que c'est ce bordel. Donc en autre mode que j'ai installé, j'ai aussi Bandoulière Bugs and Pooch en classique, donc qui a rajouté en fait des espaces de stockage dans l'inventaire, donc on pourra crafter. Donc c'est des bandoulières, enfin c'est des attaches qu'on verra sur l'armure au niveau des épaules, de la ceinture, etc. C'est plutôt sympa. Donc entièrement craftable bien sûr. J'ai aussi j'ai un mode qui va permettre de diversifier un peu tout ce qui est visuel au niveau des bouquins, donc la couverture et les textures de feuilles. Donc ça, on s'en branle un peu, hein. Sinon, j'ai un mode qui va améliorer les textures de sang. J'ai pas mal de modes comme ça. Donc là, il y a Advar. Advar, c'est l'impérial. Et là, on a. Qu'est-ce que des fois? On a Ralof, ok. Ralof. Donc, moi, ce que je conseille après, c'est de parler à Advar, parce que c'est lui qui va vous donner le meilleur startup. Parce que théoriquement, si on arrive à le lever là, etc., il va nous ramener à Rivebois, mais parler au forgeron. Et le forgeron, bah lui, il va vous donner plein de matos, des lingots, des trucs comme ça qui sont plutôt sympas. Chose qu'il vous donnerait pas si vous alliez avec Monsieur Ralof. Donc on va parler à Advar. Intéressant. Donc le mode nous propose du doublage par un muet, donc c'est plutôt pas mal. Ok, il nous demande une potion. Potion de soin. Merde, je lui en ai donné deux. Merde. Misclic, c'est génial. C'est pas grave. Donc là, on va le suivre. Donc il nous a dit, ouais, il y a eu machin, elle a tout pété, c'était le bordel, on essayait de fuir, tout s'est cassé la gueule. Voilà. Donc on va le suivre, Pénardo. Je crois qu'il est parti pour de bon. Mais inutile de s'attarder ici pour vérifier. La ville la plus proche est Rivebois. Mon oncle est le forgeron. Il vous aidera. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance. Je n'aurais pas réussi sans votre aide. Là, je ressemble terriblement à rien là, avec ma capote en fourrure là. Ah bon, c'est pas grave. Alors. Donc il nous a dit, ouais, faut aller voir Alvor, machin truc, démerdez-vous. Ok. Donc on va faire ça. Avant, on va aller choper les pierres de. Les pierres bénies là, ou je sais pas quoi, qui vont nous donner l'attrait du voleur, qui vont nous permettre de gagner tous les skills de l'expérience dans les skills de furtivité 20% plus rapidement qu'à la normale. Donc ça va nous permettre de monter plus vite en niveau. C'est pas négligeable, c'est plutôt sympathique. Ah oui, il va falloir commencer à s'équiper. Donc ça, on va mettre ça en raccourci aussi. Bon, il se passe des trucs là, le chasseur il est chaud patate. La dague de fer. Hop, ça aussi. Vous voyez cette mine? Magie.
Alors, 1, 2, 3. Je tertre des chutes tourmentées. Ah oui, là-bas. Petit, j'en faisais des cauchemars. Des drogueurs qui descendent de la montagne en pleine nuit pour escalader ma fenêtre. Ce genre de choses. Ah, c'est bien. Allez, on raconte sa vie. On a autre chose à faire. Oh oui, d'accord, bandit direct comme ça. Alors là, je sais pas du tout pourquoi il y avait un bandit ici. Mais bon, c'est pas grave. Alors, pierre du voleur. Donc voilà, 20% plus rapidement, les trucs de stealth. Voici les pierres gardiennes. 3 des 13 anciennes pierres parsèment le paysage de bord de ciel. Il raconte tellement sa vie, lui. Petit chasseur de Nifa. Voilà, on se sert. Là, l'amulette de Steldar, ça fait quoi? Ouais, ça va être vendu, hein. On n'a pas de bouclier, on n'a pas besoin de ça. Donc ensuite, de quoi je vais vous parler? Bah là, on va aller faire la mine, là, qui est juste en face. Sinon, pour les mods, j'ai aussi Immersive Armor qui est installé, qui va rajouter du contenu au niveau des armes et armures, enfin surtout des armures. Dont tous les PNJ peuvent bénéficier, étant de, enfin, comment dire, autant les bandits que les civils ou les soldats, etc. Donc c'est un mode qui peut faire bénéficier éventuellement tous les personnages du jeu. Donc c'était bien ce bandit qui était. On l'a pas vu. C'est bien ce bandit qui se barrait là. Et qui s'est retrouvé au niveau des pierres. Donc après, on va pouvoir voir des gardes avec différents casques et tout ça. C'est plutôt sympa, c'est marrant, ça ajoute un peu de diversité au jeu. Donc j'ai le Immersive Patrol, ça j'en ai déjà parlé. Donc qui rajoute tous les gens qui se baladent en fait dans la nature. Immersive Sound qui modifie en fait certains sons du jeu. Qu'on peut paramétrer bien sûr. Immersive Range, donc ça c'est un mode qui va rajouter de la vie dans les tavernes. C'est plutôt marrant. Après, Lean Wolves Better Shaped Weapons, ça c'est un mode qui modifie les armes de base, les armes vanilla, pour faire que les modèles soient plus fins, plus réussis, plus jolis. Voilà. C'est à peu près tout. Sinon, il y a pas mal. J'ai des modes. J'ai le mode d'inventaire aussi qui modifie l'inventaire vanilla pour que ce soit plus facile à regarder. J'ai aussi un mode qui rajoute des différents écrans de chargement. C'est plutôt sympa aussi. Alors, lequel je vais me buter en premier? Il y en a un qui s'est barré visiblement. Ah oui, la balle esquive. Je sais pas pourquoi, mais ma vigueur baisse. Oh là, le dodge encore. Attaque furtive, x2 dégâts. Alors là, c'est intéressant. Hop. Petite armure cloutée, c'est pas mal, c'est mieux que ce qu'on a, donc on équipe. Oh, on peut me faire chier à porter les épées de fer, c'est bon, allez, hop.
Alors, c'est parti. Hop. Donc, on va essayer de ramasser un maximum de choses avant de pouvoir arriver à la fin du donjon, enfin de la grotte, de la mine, et arriver à Rivebois, donc histoire de pouvoir vendre pas mal de choses, se faire des thunes, commencer à se crafter une armure un peu plus conséquente que celle qu'on a actuellement. Il y a des légers bugs. J'ai des légers bugs au niveau de l'interface du jeu et tout, mais c'est normal, c'est Elder Scrolls, c'est Skyrim, c'est buggé, c'est pas grave, ça marche quand même. Du vin ici, Anthony, peut-être quelque chose, des sacs de farine, on va pas se faire chier à porter ça. Allez hop. Donc là, il y a deux bandits qui vont pop. Sauvegarde. Donc pour info, je joue en mode expert, donc pour le moment. Ensuite, on verra si ça devient trop simple. On augmentera vers légendaire, mais normalement, ça devrait pas être trop simple. Il y a quelqu'un ici, je le sens. T'approches pas trop, Michel. Voilà, ça c'est réglé. Mais bon, je pense que dans un premier temps, ça va être dur d'augmenter la difficulté, étant donné qu'au premier dragon, sinon on va se faire ouvrir en deux, voire même certains bandits, et qu'on va tomber contre des hors-la-loi, des mandarins, etc., ça risque d'être un peu le bordel. Donc on va faire attention à tout ça, on verra bien. Puis, de toute façon, si je mets rien à la sauvegarde rapide, on s'en fait pas. Alors. Là, logiquement, il a dû me voir. Ah ouais. Oh, encore loupé. Tu commences à être embêtant, toi. Que ça va être Walou pour récupérer les flèches. Oh, ouais. Tant pis, tant pis. Alors. Joli. Bien sympa ça. Commence à s'alourdir un peu quand même. Anneau de résistance à la magie. Tiens, ça peut être pas mal. Ça peut servir. Ouais, carrément. Une armure de plaque de brigand. Ça doit être une armure du mode, ça. Donc là, on va essayer de pas se faire tuer. Ils sont trois, logiquement. Il y en a un qui campe là-bas. Il y en a un là. Celui-ci. Se cacher.
Ok. Alors lui, normalement, il fait mal. Là, ça l'a fait. Deux flèches. Lui. Il doit encore me voir parce que... Il bouge pas. Il est cassé. Il est cassé hors la loi. Ah, attaque furtive, ça y est. Il m'a perdu de vue. Alors, une arme de fer. Forgeage. Donc oui, on va faire ce let's play tous ensemble. On va découvrir le jeu modé. Ensuite, je mettrai sans doute la liste des modes dans la description, je pense, histoire de vous faire profiter de ça. Et puis voilà, on va faire ça tranquillement. Là, lingot de fer, hop, raffiné, patata. Donc, je vérifie que c'est bien celle-ci, ok. Armure cutée raffinée, c'est bon, ça a fonctionné. Ah, vu que je suis court sur patte, il court pas très vite mon personnage. Hop. Sur les fourrures. Oh, c'est un peu cassé. Hop, le vin, ça se vend. Alors. On ramasse tout. Le poignon, il est une S. Petit coffre. Alors là, attention, on vient choper une écharpe. Une écharpe en peau de cul. On va voir ce que ça donne. Tenue, potion. Ah ouais, c'est pas dingue. Hein. C'est pas dingue du tout. Ça sert à rien. On vire. Hop, tant pis. On va vendre ça à quelqu'un. Quelqu'un en voudra sûrement. Pas moi. Donc là, bah c'est bon, on a terminé. Je pense qu'on va arrêter l'épisode ici et on va se dire au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode. Prochain épisode, on ira donc à Rivebois faire tout ce qu'il faut pour continuer notre quête principale. Et puis voilà, je vous présenterai d'autres modes aussi. Qui sont installés et que je vais utiliser pour ce let's play. Donc du coup voilà, à plus dans le Gamingosaurus et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, laisser des commentaires et à partager la vidéo. Allez, salut!